Endométriose, enfin un traitement prometteur, l'endométriose peut être très invalidante. Cependant, des scientifiques japonais ont mis au point un traitement potentiellement prometteur pour ce trouble gynécologique qui touche de nombreuses femmes. Il s'agit en effet d'une affection gynécologique qui touche près d'une femme sur 10. Cela peut avoir un impact énorme sur la qualité de vie des personnes qui en souffrent. Les résultats de la recherche menée par les chercheurs ont été présentés lors de la 44e réunion annuelle de la Société japonaise pour l'endométriose. Cette étude non clinique a été menée chez des singes. L'objectif était d'évaluer l'efficacité d'un anticorps de recyclage à action prolongée contre l'interleukine 8, une cytokine de grande importance pour notre système immunitaire. En effet, les scientifiques ont fait mensuellement des injections sous-cutanées de cet anticorps, appelé AMY-109, à des primates souffrant d'endométriose. Les fruits de leurs recherches sont prometteurs. Une seule dose de ce traitement a entraîné une amélioration de l'inflammation de la fibrose, spécifiquement en réduisant le volume de la lésion nodulaire. Par conséquent, selon les chercheurs, l'anticorps AMY-109 pourrait être une thérapie modificatrice de la maladie pour les patientes atteintes de cette maladie.